Oui. Deux fois ministre des Affaires étrangères. Dix ans directeur de cabinet du président Senghor. Oui. Je sais que ça, ce n'est pas de la gnognotte. Hein. Oui. Oui. Dix ans directeur de cabinet du président Senghor, père fondateur de la nation sénégalaise. Oui. Oui. Dix ans, record. Deux fois ministre des Affaires étrangères, record. Deux fois premier ministre, record. Deux fois ministre de l'Assemblée nationale, record. Donc, c'est record. Macky confirme Niasse et maintient le suspense. En tout cas, choix des membres du bureau de l'Assemblée nationale, des présidents de commission et du président du groupe parlementaire Benno. On sait que c'est Niasse, Tafalo progressiste ou l'enfant de cœur Madiabel. Qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière. Ça, c'est Sud Quotidien. L'Observateur nous révèle. Mais l'Observateur l'Obs nous dit, mais Moustapha Niasse, Tafa, Taf, Tafman, Niasse, lion indomptable. Il ne faut pas comprendre indomptable comme l'équipe du Cameroun. Lion, L, accent I-O-N, lion. Lion, ion. Voilà. Physique, c'est ça. Ça, c'est de la physique. Absolument, madame. Merci. Chimie, oui. C'est de la physique. Ça, ce sont les éléments d'un corps. Voilà. Pour ceux qui comprennent un peu les notions de changement espace-temps, savent de quoi je parle. Oui. Niasse, lion indomptable, ça, c'est le titre qui bat l'Observateur Lopes. À lire justement la déclaration de Macky Sall. Pourquoi Niasse? Eh bien, Macky Sall considère que c'est pour maintenir l'équilibre. Oui. De la coalition et du pays. C'est important. Donc, Niasse, c'est comme qui dirait un patriarche quand même, un homme quand même aux valeurs transcendantales. Il faut rappeler qu'il a été major de sa promotion en entrant à l'École nationale d'administration, major en sortant. Joli palmarès, en tout cas. Il y a le Maïno Kodé. Libération. Mais Libération, de souligner pourquoi je propose Niasse. C'est la déclaration de Macky Sall qui barre la une justement de Libération. Ça veut dire que Macky sait que avec Niasse connaît la valeur de l'homme. C'est tout sauf de la gnognotte. Il connaît la valeur de l'homme. Ah, il connaît. Non, attends, il connaît. Pourquoi je propose Niasse? Ce que le leader de l'APR a dit au député investi Benno hier. Ça, c'est Libération qui nous donne l'information. Et puis, absent de l'Assemblée, Khalifa Sall crache du feu. Ah oui, il crache du feu. Ça, ce sont les informations de Libération. Vox Populi. Mais Vox Pop revient sur les détails, de la rencontre entre Macky et ses députés. Macky et les députés. Bon, tu sais, on est à la veille de... dans le journalisme, donc il faut essayer de faire des choses, faire du tchamlangal. Voilà. Détails de la rencontre entre Macky et ses députés. Le chef de la majorité rappelle ces parlementaires à leur rôle, Niasse magnifié, voilà le Andou Gorla, compagnon sincère. Ça, c'est ça, compagnonnage sincère, ça, c'est clair. Donc, Vox Populi nous livre que Niasse confirmé. Oui. Voilà. Donc, ces détracteurs-là, ils vont mourir, ils vont encore maigrir, voire périr. Oui. Voilà. Enquête. Mais l'enquête du Macky arme ses députés. Installation de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Macky arme ses députés. Ça, c'est ce que nous livre l'enquête. Le président Sall confirme Moustapha Niasse. Pas besoin de le rappeler. Chérif Monté et Ibrahima Abdounguet rejoignent la majorité. L'opposition aura un poste de vice-président et la présidence d'une commission. Ça, c'est clair, c'est transparent et c'est cousu de fil blanc. Wolf Quotidien. Mais Wolf Quotidien parle d'abord en appel à la une. Présidence de l'Assemblée, Niasse intronisée avant l'heure. Oui, quand même. Avant l'heure. Quand même. Voilà, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et l'heure, c'est tout à l'heure. Et l'heure, c'est tout à l'heure. Très belle rime. Installé avant l'heure et l'heure, c'est tout à l'heure. Oui. Voilà. Comment Macky a été marabouté? Il s'agit de la nomination d'Aliou Sall par décret. On sait qu'un journal avait parlé de Tierno Madani pour la nomination d'Aliou Sall. Et aujourd'hui, Wolf a fait un jeu de mots, marabouté, d'où le mot marabouté à la une de Wolf Quotidien, entre guillemets. Donc il faut comprendre qu'il y a un marabout derrière. Voilà, oui. Comment Macky a été marabouté? Ça, c'est Wolf Quotidien qui nous livre ça à sa une. Réumi Quotidien. Mais Réumi Quotidien dit, mais la promotion surprise du frère de Macky, Aliou Sall, il est ceci,
Napatio, Ngololio, mais Aliou Sall, Aramom, ce n'est pas un Sénégalais. Au même titre que Macky Sall. Vraiment. Est-ce que Aliou Sall n'a pas fait les études comme Macky Sall? Qu'est-ce qui a été son tort d'être le frère du... Est-ce que Aliou Sall doit maudire ses parents d'avoir été le frère? Le frère de Macky Sall. Vraiment. Mais où est le problème? Mais c'est un intello. Mm-hmm. Il est allé à l'école. Mm-hmm. Et narque. Mm-hmm. Mais pourquoi pas Aliou Sall? Pourquoi pas vraiment? Pourquoi Macky Sall? Pourquoi, oui. Et pas Aliou Sall? Mm-hmm. Pourquoi Amadou Ba? Mm-hmm. Et pas Aliou Sall? Mm-hmm. Pourquoi... Attends. Mm-hmm. Non, Aliou, prénom Sall. Nationalité sénégalaise. Mais l'oukhev... L'oukhev. Mais qu'est-ce qui se passe? Waouh, né au Sénégal, grandi au Sénégal. Bon, il n'est pas comme ceux qui ont eu la nation. Mais il n'est pas n'importe qui, hein. C'est le frère du président de la République. Mais ce n'est pas un crime. Mais il n'est pas comme ceux qui ont eu leur nationalité en 2002 et qui voulaient. Bon, il ne faut pas suivre mon regard, hein, sinon. Aliou Sall, l'homme de l'ombre de la présidence, c'est le titre qui bat la une de Réumi Quotidien ce matin. Ce matin. En tout cas, Réumi Quotidien explique ou tente d'expliquer, mais Aliou Sall, bah, diamele. Parce que même à Guédiouaï, mais tout Guédiouaï, de Golfe Sud à Wahina Nimzat, en passant par Djareb di Mamoulaï, partout, applaudis. Tout le monde dit Gongo. Gongo, oui. Il a fait ses preuves. Il a été maire de Guédiouaï. Guédiouaï est devenu Guédiouaï. Il y a la plage, il y a tout. Mais maintenant, il ne peut pas. Quel, vraiment. Ah. Guédiouaï. On y va avec le témoin ce matin. Mais le témoin quotidien parle de scandale de faux ordres de mise en liberté qui prend de l'ampleur. Un grand problème. Problème pour Ray. Ray. La cour d'appel de Dakar dans la tourmente. Après celle d'avant-hier, de nouvelles arrestations, les mises en cause ont fait l'objet d'un quatrième retour de parquet. D'œil noir. Bizarre. Vous avez dit bizarre. Comme c'est bizarre à lire également dans le débat quotidien des salles. 20 ans après la disparition de Mam Abdoul Aziz, des salles. Eh ouais, ça veut. Non. Jack Sao, le paisible lieu de retraite de Dabar. Ça, c'est le témoin qui fait un grand reportage. Le témoin. Là, ça me permet de dire coucou à Pap Ndiaye, mon confrère du témoin. Good job. L'As ce matin. Mais L'As quotidien parle de violation du principe de l'inamovibilité. Un juge menace de quitter la magistrature. Parce que trop, c'est trop. Une liberté est une liberté. On n'en fait pas une liberté. Voilà. Nouvelle législature, niasse encore au perchoir. Costume, cravate. Non, mais il le mérite. L'enfant de cœur, madame. Non, oui, l'âge, il est ceci. Mais moi, la matière grise, là, c'est ce qui est important. Le CV, le CV, c'est ce qui est important. Il sert toujours, donc. Mais quelqu'un, malgré son pouvoir, il vient à l'Assemblée avec une cheville, un plâtre et des béquilles pour présider des séances. Ah bon? C'est qu'il tient à son Sénégal. Non, non, c'est un homme d'État. Non, c'est que c'est un homme d'État. Lui, c'est un commis de l'administration. Donc, c'est la même génération que Maître Abdoulaye Wade. Ah oui, oui, sont... non. Khalemoui, tchepi. Donc, quand nous tchepi, quand Nias est au perchoir, tchepi. Non. Allez demander, voilà. Barthélémy. À lire également à la une de L'As quotidien, c'est un ministre qui fascine le président Abdoulaye Wade. Il s'agit de Papa Abdoulaye Sekandana, Sounyundana. Non, tu sais, lui, c'est un académicien à l'Académie de l'agriculture. Donc, un académicien, c'est le docteur Papa Abdoulaye Sekandana. C'est un académicien, c'est l'homme du monde rural. Awa Marie Colsec, on n'a plus à la présenter parce que, quand même, c'est une référence au plan mondial quand on parle de santé. Donc, quand on parle d'agriculture, le docteur Papa Abdoulaye Sekandana, Sounyundana, est une référence au plan mondial. Eva Marie Colsec, santé, référence au plan mondial. Marie Théo Nyan, non, attends, lui, c'est un matheux. Ça, c'est comme ça qu'on appelait les mathématiciens chevronnés, très jeunes. Voilà. Mais Sidiki Kaba, non. Laissez. Non. Non, non, non. Donc, au plan international, c'est des fortes têtes. C'est ça, en fait, ce que veut expliquer L'As quotidien. Quand on a un académicien de l'agriculture à l'Académie de l'agriculture, attention, hein. Rien à dire. Ah, là-bas, il n'y a pas de Housmaniap. On va parler du sport. Mais sport parle de Ligue des Champions. Ronaldo bombarde Nicosie. Non,
Il a 5 matchs sans jouer. Il vient, il allume et puis il va se mettre de la sorte. Retour de Christian. Tchum, le retour de Christ. C'est important. Christ. C'est un Christ. Et puis Stade est avec le président Baba Tanya. Tanya qui a été ancien président de la Fédération de basket, qui déclare que le Sénégal peut bouffer l'Angola. Ah bon? Ah oui, les gens disent Angola. Mais le Sénégal peut bouffer que l'Angola. Baba Tanya le dit, en tant qu'ancien praticien du basket et en tant qu'ancien président de la Fédération de basket. Et puis Sénégal-Angola, c'est à 19h30. Les Lions face à leur bête noire. Mais Baba Tanya dit bête noire, mais le Sénégal peut bouffer l'Angola. Pourquoi pas? Ah oui. Mais Sunu Lamb parle de Boy Nyando qui met en garde Sanchez en disant quoi? Et en disant, je veux un combat explosif. Qu'on ne tangue. Non, ça c'est l'univers aussi de Tafa le progressiste. Hein. Joseph Mustapha Niassi dit non. Nid Kouadje Bere. D'où on est Tchoumikayam. C'est Tafa. Hein. Ce que je te dis, c'est Tafa. Il n'a pas envie de mourir. Mais non, mais regarde, il sort après avoir voté aux législatives. Il dit. Ben Bere, Bege Bere. Résultat du Raham. Oui, c'est sûr. Kouadje Bere. Dis-nous, on est Tchoumikayam. D'où on est Tchoumikayam. Ça veut dire. Et il est gaffe pour aujourd'hui. C'est un saloum. Donc le Tchoumikay là, celui qui veut voir le Tchoumikay qu'il a aujourd'hui. À bientôt. Tu seras, n'est-ce pas? Non. Un plateau spécial. C'est pas une information. Non, ça, c'est comme si tu disais Gagne à Mounor. Je rappelle qu'ils y seront, c'est-à-dire l'équipe de la rédaction. Absolument. Pour suivre donc, et vous donner les temps forts.